Classico. Nouveau, pas de Messi ni de Cristiano Ronaldo. Barcelone, Real Madrid au Camp Nou sans les deux immenses stars. Un Classico étrange, c'est vrai, mais avec tout de même des joueurs de grande classe sur le terrain à Barcelone. Il y a Coutinho, Suarez, Rakitic au Real, Modric, Bale et Isco. Et Bale sont assez isolés lorsqu'ils vont au contact de la relance barcelonaise. Rakitic, ça va aller très très vite avec Jordi Alba qui prend l'ascendant. Jordi Alba maintenant dans la surface, il attend, c'est bien joué, Coutinho. Et le premier but déjà pour le FC Barcelone. Comment le Real peut laisser Jordi Alba totalement seul? Coutinho en finisseur. Les Catalans mènent face au Madrien. On avait souligné le fait de que on comprenait pas de quelle manière. Et Ramos, ouh, c'est risqué ça, Nacho, plein axe, Arthur, la balle de frappe et Thibaut Courtois. Jordi Alba, la passe en première intention, Varane a été surpris, il revient sur Luis Suarez. Ballon pour Rafinha maintenant, contré. Il le touche lui le premier parce que il va le gêner. Ah oui, alors il y va, Sanchez Martinez. Après visionnage de la vidéo, il siffle. Penalty. Penalty pour le FC Barcelone. Suarez pour ce penalty. Thibaut Courtois était parti du bon côté, mais Suarez l'a très bien placé. La demi-heure de jeu. Barcelone 2, Real. Voilà qui est mieux là pour l'équipe de Lopetegui avec l'espace pour Vasquez. C'est Verisco, le centre. Disco Marcelo pour l'enchaînement et le Real revient. Le choix tactique de Lopetegui réussi parce qu'il y a Lucas Vasquez au départ. Il y a Marcelo à la finition. L'espoir, le regain de Madrid 2-1. Exactement le contraire de ce que j'avais signalé. Absolument. D'abord, le relais entre Bale et Benzema dans l'axe. Pour voilà, c'est là où il est. Marcelo, centre de Marcelo. Bale, la tête de Ramos. Non cadré. Ça y est. C'est de Busquets. L'erreur de Busquets avec Bale. Bale qui manque son contrôle. La frappe. Oh, voilà. Modric sur le poteau. Dur avec la remise. Suarez. Poteau, quelle action. Poteau. Quelle action encore. Philippe Coutinho. Oh, la passe de Coutinho, la volée. De l'action, et c'est souvent lorsque c'est Kroos qu'il a la balle. Et là, il a bien joué Isco parce qu'il est libéré tout le couloir pour Lucas Vasquez. Il y a trois appels. Le centre de Benzema. La tête non cadrée, quelle occasion. Dembélé. Sergio Roberto. Sergio Roberto, ballon, la tête de Luis Suarez, troisième but pour le FC Barcelone. Quel coup de tête de la part du buteur uruguayen. C'est un nouveau chaos pour le Real dans ce Classico. Et la récupération de Sergio Roberto après l'hésitation, il lance Suarez, ballon de triplé pour Suarez. Le petit piqué fantastique de Luis Suarez dans les dernières minutes. Il vient s'amuser de Thibaut Courtois, finir avec son génie, avec son talent. Le Real est corrigé, 4-1, triplé de Suarez. Effréné, quand des fois on dit qu'il y a des victoires qu'ils ont obtenues. Il a le moteur dans les pieds parce que... Dembélé, oh là là, quel dribble sur Nacho. La tête de Vidal. 5-1 pour le FC Barcelone. Celui qui était mécontent, qui était jamais aligné par le FC Barcelone, il vient marquer ce cinquième but. Le marginal, Arturo Vidal. Vidal, la balle de Vidal avec Sergio Roberto, le centre, Suarez, et la parade de Thibaut Courtois pour éviter un naufrage encore plus. Mariano, la passe de Mariano avec Benzema. Aïe, 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 ça passe encore à côté du but. Real Madrid 5-1 pour le Barça sans Lionel Messi. Et donc le Real est balayé. Lopetegui sans doute avec, peut-être pour son dernier match, donc à la tête du Real Madrid.